Bonjour à tous et bienvenue pour la présentation de ce jeu-ci, un jeu qui vient de sortir aux éditions Médicis et qui s'appelle Divine Commande. C'est un jeu de Sophie Merle. C'est un jeu un petit peu particulier, comme vous allez le voir quand on va regarder les cartes. C'est pour vous décrire ce jeu, il s'agit d'un jeu de cartes de 52 cartes, mais vous allez voir, elles ne sont pas illustrées, elles sont écrites. Et c'est un jeu en fait qui sert à activer vos ressources intérieures dans un but de réalisation personnelle, mais de travail en fait sur le plan quantique. Alors de façon concrète, ce jeu vous indique en fait que vous avez plusieurs facettes, bien sûr, que vous êtes constitué de plusieurs facettes, et que chacune de ces facettes a une sorte de commande que vous pouvez activer, et que grâce à ces commandes que vous allez activer, vous allez développer en fait votre bonheur, développer vos dons de réalisation et donc de bonheur. Pour en revenir simplement à l'aspect concret du jeu, vous voyez que le jeu se présente comme ceci dans une boîte carton rigide. Au dos, vous avez justement vos ressources intérieures sont infinies, le mode d'emploi du jeu et qui est Sophie Merle. À l'intérieur de ce jeu qui s'ouvre comme ceci, vous retrouvez un livret d'accompagnement. C'est un petit livret et vous retrouvez les fameuses 52 cartes que je vous montre après. Alors, à l'intérieur de ce livret, vous allez voir que il est assez court. J'ai un petit regret justement par rapport au fait qu'il j'aurais aimé qu'il décrive un petit peu plus ce qu'était que l'aspect quantique en fait, hein, puisque c'est vraiment un jeu qui se base dessus. Donc vous retrouvez pourquoi ce jeu a été fait. Donc ce jeu de 52 cartes est là pour aider à activer vos ressources intérieures et libérer vos magnifiques dons de réalisation heureuse dans la vie. Alors qu'est-ce que c'est vos ressources intérieures et pourquoi sont-elles infinies? Le monde physique tel qu'il est réellement, avec la comparaison justement entre les sciences quantiques. Qu'est-ce que c'est un petit peu les sciences quantiques? Mais je trouve que c'est pas assez poussé pour les personnes qui ne s'y connaissent pas. Je m'excuse, j'ai de la peinture sur les mains puisque j'étais en train de peindre avant de vous faire cette vidéo. Voilà, donc tout est là prêt à l'emploi, rallumez la lumière à l'intérieur de vous grâce aux fameuses cartes que je vais vous montrer après. Et ensuite, on nous souhaite donc beaucoup de succès et de bonheur dans la vie. Voilà. Ici, vous avez concrètement le mode d'emploi, comment utiliser les cartes. Donc vous pouvez piocher les cartes une à une, vous pouvez aussi travailler avec un aspect de votre personnalité. Vous pouvez travailler avec des mantras d'ancrage que vous retrouvez sur les cartes. Vous pouvez aussi travailler sur des méditations, en fait, l'aspect de la carte que vous allez tirer. Vous pouvez l'utiliser justement pour travailler en méditation dessus. Les formules de commande, vous allez voir justement que sur chaque carte, il y a une formule de commande qui commence par l'expression « merci de ». Et elle explique que justement, par ces mots, comme elle le dit si bien, vous déclarez d'emblée votre gratitude envers cette magnifique partie élevée de vous-même. L'aspect divine de votre être, l'aspect divin de votre être, l'assurant de votre entière confiance et de ses possibilités infinies, de vous accorder au plus haut degré de perfection ce qu'il vous faut pour vous épanouir en ce monde. Voilà, donc un jeu qui permet comme ça de se reconnecter à différents aspects de vous-même, et y compris et surtout à cette part divine justement que l'on possède tous. Alors, je vais vous montrer maintenant les cartes. Vous avez de très très grandes cartes. Voici les cartes. Alors pour vous montrer un comparatif avec justement des cartes, on va dire, de tarot classique. Voilà. Vous voyez qu'elles sont vraiment vraiment beaucoup plus grandes. Donc petite difficulté un petit peu pour brasser le jeu. Ça, c'est sûr que c'est pas très simple, hein. Donc il vaut mieux étaler le jeu, le brasser comme ceci. Je vais vous montrer un petit peu peut-être après justement. Vous avez donc sur chaque carte un aspect,
une commande en fait qui est possible, qui est présente en fait pour vous. Par exemple ici on a l'action. Alors je vous propose qu'on tire une carte à la fin de cette présentation justement pour voir un petit peu ce que ça donne, comment ça joue avec nous, comment ce jeu joue un petit peu avec nous justement. Et ici donc vous avez l'action avec à chaque fois une présentation de l'action, ce que c'est, etc. Justement comment ça s'implique, comment l'action peut s'appliquer dans notre vie. La fameuse formule de commande, toujours pareil, qui commence par merci de, etc. Une sorte de petit rituel justement à faire et un mantra d'ancrage, je dirige résolument ma vie. Voilà, donc je vais vous montrer toutes les cartes et ensuite nous passerons à un petit tirage. Donc l'action, la découverte, la détente, la restructuration, le rapprochement, la décision, la progression, l'ordre, la recherche, la chance, le feu sacré, le réajustement, le tournant majeur, l'ennui, la passion, la libération, le réconfort, le retour sur soi, le rayonnement, la résurrection, hop, le triomphe, l'indépendance, l'appui fécond, le respect de soi, trouver sa voie, le pouvoir financier. Alors, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que les cartes étaient dorées, avaient une tranche dorée. Et je ne vous ai pas dit non plus qu'elles étaient de très bonne qualité, hein, comme on retrouve les jeux des éditions Médicis. Donc là, au top. Sagesse donc intérieure. Association lucrative. Talent inné. Divertissement. Travail, persévérance, altruisme, éveil, ambition, ouverture d'esprit, valeur noble, féminin sacré, redressement, cadre strict, changement de routine, fusion, détente, envergure matérielle, érudition, équilibre, force intérieure, optimisme, détente, participation, aventure. Alors, ce que je vous propose, c'est de tirer une carte. Je pense que ce jeu en fait prend pleinement prend sa pleine mesure en fait quand on tire une carte en posant la question de quoi ai-je besoin. Ça peut être justement de quoi ai-je besoin dans telle situation, qu'ai-je besoin de savoir sur quoi j'ai besoin de travailler. Mais je pense vraiment que, enfin pour moi, la question adéquate serait de quoi ai-je besoin. Voilà. Maintenant, tout de suite. Alors je vous invite, à vous qui allez justement regarder cette vidéo à différents moments de votre vie, puisque vous n'allez pas tous la regarder au moment où je vais la poster, de vous poser cette question. De quoi avez-vous besoin maintenant? Et on va tirer une carte. Alors vous voyez, c'est pas très facile de les faire comme ça. Je pense que le mieux, c'est de les faire comme ça. Hop. Voilà. On prend les paquets, on touille. Je vous avais pas montré le dos des cartes, donc voici le dos des cartes.
et on va piocher une carte. De quoi ai-je besoin? De quoi ai-je besoin en ce moment? Ouverture d'esprit. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vous possédez un esprit pionnier que vous ne vous donnez peut-être pas toutes les chances d'exploiter à fond. Avez-vous envie de grand large sans oser franchir le pas? Êtes-vous captivé par un sujet hautement qualifié dans un domaine précis, par exemple scientifique ou spirituel, qui n'intéresse personne autour de vous? Avez-vous de grands doutes quant vos capacités et compétences personnelles qui se démarquent franchement du commun? Craignez-vous de vous affirmer différemment de la masse? Redoutez-vous d'exprimer ouvertement vos idées pionnières? C'est pourtant exactement ce qu'il vous faut accomplir pour réussir dans la vie telle que vous l'entendez personnellement. Alors la formule de commande, prenez pour commencer une bonne respiration, lente et profonde, 3 fois de suite. Puis lisez tranquillement ce qui suit à voix haute ou à voix basse. Merci de faire de moi un être qui se démarque de la masse par des compétences personnelles hors du commun. Un être qui possède un esprit curieux et qui le fait s'engager dans des chemins inexplorés ou encore mal connus. Un être sage et travailleur qui jouit d'une grande popularité dans son domaine d'expertise. Un être respecté par ses pairs à travers le monde entier. Un être qui illumine la voie pour autrui. Prenez une bonne inspiration, lente et profonde avant de poursuivre. Et merci d'intégrer ici et maintenant l'ensemble de ces qualités à tous les niveaux de mon être et en toute dimension de mon existence au plus haut degré de perfection, dans la grâce et l'aisance, la paix, l'amour et la lumière. Puis fermez les yeux et répétez en silence à l'intérieur de vous-même. Paix, amour, lumière. Une bonne dizaine de secondes. Vous imprégnant des merveilleuses sensations de bien-être que cela vous procure. Paix, amour, lumière. Prenez ensuite une respiration lente et profonde et buvez un grand verre d'eau fraîche. Le mantra d'ancrage qui est proposé de travailler avec cette carte, c'est « J'illumine aisément la voie d'autrui ». J'illumine aisément la voie d'autrui. Voilà donc pour cette carte qui vous fait travailler l'ouverture d'esprit et votre individualité également. Ce qui fait de vous que vous êtes unique, les choses pour lesquelles vous vous passionnez, qui vous rendent aussi très compétent dans votre domaine. Voilà donc pour la présentation de ce jeu. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt pour d'autres vidéos.